Aujourd'hui, l'équipe de Vraiment Vrai s'est rendue chez Bernard. Bernard nous reçoit dans son charmant appartement de Melun, qu'il partage avec ses deux amours, Joséphine et Patrick Sébastien. C'est une photo, celle que je préfère en fait. C'est un peu pour toute ma vie. Bernard est sans doute le plus grand fan de Patrick Sébastien. Il ne rate pas un seul de ses passages télé. J'ai aussi plein de DVD du plus grand cabaret du monde. Saison 1, saison 2, saison 3, j'ai tout quoi. Comme ça passe le samedi, je regarde en direct. Bah, les autres jours du coup, je les regarde pas en direct, je les regarde en DVD. Mais sa passion pour Patrick Sébastien va plus loin. Ce soir-là, Bernard emmène Joséphine à une soirée un peu particulière. La Saint-Patrick Sébastien. Au programme, chamboule tout de boîte de sardines, jeu de fléchettes sur Éric Zemmour et chanson de Patrick Sébastien, un véritable hommage au roi de la fête. Je suis venue pour lui faire plaisir. La Saint-Patrick Sébastien, enfin voilà, c'est le jour que j'attends dans l'année quoi. Bon bah c'est vrai que nous on a retiré la type charcuterie, on met de l'assiette sardine maintenant quoi. Ça marche super bien. Moi je mangeais plus de sardines. Et ben depuis, j'en mange tous les mardis, tous les vendredis, hein. Jour nous, du poisson, c'est jour de Patrick. Alors embrasse-moi chérie. Tu vois que c'est bon. Cette ambiance chaleureuse que Bernard ne retrouve qu'une seule fois par an ne semble pas être au goût de Joséphine qui aimerait, comme elle le dit, rentrer à sa maison. On est trop serré. On est trop serré ? Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ! Chante le sardine ! Hé ! Hé ! Hé ! J'en ai une ! Et quand il pète, il trousse son slip ! Et quand il pète, il trousse son slip ! Mais c'est Sébastien Patoche, ça, c'est pas Patrick Sébastien ! Allez, dégage dans la voiture, tu me fais honte ! Mais je veux pas aller t'attendre dans la fiesta. La fiesta ? Ah ! Ça veut dire ça, ami, ma frère, la fiesta, dégage. Bruel, Buisson ou encore Team Seat, ils sont nombreux comme Bernard à fêter les Patrick ce soir. Joséphine, elle, noie sa tristesse déçue de ne pas avoir connu le même succès avec sa sainte Patrick Hernandez.